Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau défi secret qui est apparu aujourd'hui les gars sur Fortnite saison 3 chapitre 2. Donc tout simplement pour activer ce défi les gars, rendez-vous déjà en F1, donc vous avez le vaisseau de Sonia, il faudra l'aider à le réparer pour ce défi secret tout simplement, ce qui vous rapportera 15 000 d'XP pour du coup chaque étape réussie. Donc le vaisseau se trouve en F1 juste ici. La première étape de ce défi tout simplement c'est de vous rendre ici, d'aller au vaisseau, sinon vous ne pouvez pas avoir la seconde partie du défi. Quand vous êtes au vaisseau vous avez un petit message qui vous dit que vous avez trouvé le vaisseau de Sonia. Donc pour ma part je ne l'ai pas parce que j'ai déjà trouvé le vaisseau de Sonia, mais si vous c'est la première fois que vous le trouvez vous aurez un petit message. Ensuite le second message il vous dit tout simplement de trouver 3 pièces différentes pour réparer le vaisseau de Sonia et l'aider à décoller. Donc la première pièce elle est juste à côté, vous avez juste à casser ce caillou. Et d'ailleurs prenez bien du build parce que la dernière pièce on la voit elle est juste là-bas en train de briller. Vous avez la batterie qui est juste ici, donc là regardez, quand on se met comme ça on la voit là. Et bien ça c'est la batterie, donc on récupère la batterie. Ensuite la deuxième pièce elle est juste là-bas. Donc on la récupère, elle sera derrière ce caillou-ci si je me trompe pas. C'est soit celui-ci soit ce caillou-ci, non je crois que c'est celui-là, voilà. C'est le caillou juste là. Donc vous avez l'île, donc première pièce, la batterie en face du vaisseau dans l'eau. La seconde pièce, on va la voir, elle est juste ici. De toute façon, on aura besoin de build pour monter. Alors les gars, ce défi, vous ne pouvez pas le faire en Fortnite Point. J'ai déjà essayé, j'ai déjà vu chez d'autres personnes en commentaire de leur vidéo des gens qui disaient de le faire en Fortnite Point. Alors j'ai essayé pour voir si c'était vrai. Et on ne peut pas faire ce défi en Fortnite Point. C'est vraiment en game normal. En Fortnite Point, on ne peut pas tout simplement faire le défi. Et je pense que c'est en rapport avec la deuxième étape que vous allez voir juste après. Donc la deuxième pièce, elle était juste ici. Vous cassez la pierre, pareil, vous avez la deuxième pièce. Et la dernière pièce, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il vous faudra du build, elle se situe juste en haut. Donc c'est un petit peu le petit missile qui est en haut. Donc là on casse un petit peu, on monte. Ensuite une fois qu'on a toutes les pièces vous allez voir qu'on va devoir assembler le vaisseau. Donc on va devoir rendre les pièces au vaisseau pour le réparer et pour l'aider à décoller. Donc là on a le propulseur tout simplement pour qu'il décolle. Donc la première partie de la quête du défi secret nous donne 14 000 d'XP. Mais c'est pas fini les gars, une fois que vous avez toutes les pièces, vous avez eu 14 000 d'XP, vous ramenez les pièces au vaisseau. Donc là on s'y dirige. Donc le vaisseau qui est juste en face hein, bien sûr il bouge pas le vaisseau. Donc là hop, vous devez mettre tout simplement toutes les pièces. Donc je le rappelle, hein, première pièce ici juste là. La seconde pièce là-bas, là où il y a mon petit ping bleu. Et la dernière pièce en haut, voilà, les trois pièces sont là. Alors la première pièce, on va la remettre en place, elle est juste là, donc c'est le propulseur. La deuxième pièce qui est juste ici, c'est la batterie. Et la troisième pièce, elle est juste ici, voilà. Là où ça clignote un petit peu, ici c'est le bouclier thermique. Là, vous regagnez 14 000 d'XP, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne gagne pas que 14 000 d'XP. Là, vous avez le petit conducteur, vous avez le message « Lancer le vaisseau ». Vous cliquez sur « Lancer », là, vous voyez que le vaisseau se soulève, et ensuite, ça vous dit que vous avez événement de défi lancé, lancer le vaisseau 1 sur 2. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être en game normal, donc moi, je fais mon défi en partie perso, donc je devrais refaire le défi en game normal. Mais en game normal, le but, enfin, le rôle des autres joueurs, ce sera de vous empêcher de faire, en tout cas, décoller le vaisseau, et ce qui vous fera échouer votre défi. Donc là, le but, ce que vous devez faire, c'est prendre une arme et défendre pendant 50 secondes le vaisseau afin qu'il puisse décoller et regagner de nouveau l'XP. Donc là, vous allez voir, on attend un petit peu. Donc là, je risque pas d'avoir de problème, comme je vous ai dit, voilà, je suis en partie perso, je suis tout seul. Sachez qu'en partie perso, les défis ne comptent pas, il faudra que je les refasse en game normal. Mais pour vous montrer en vidéo, c'est beaucoup plus simple pour moi et je pense que vous le comprenez. Donc voilà, hop là, donc là on attend, il reste 17 secondes, c'est vraiment pas très long, 15 secondes, 14 secondes. Voilà, donc là vous voyez bien le vaisseau il s'est mis en place. Donc pensez bien à aller d'abord au vaisseau. Parce que moi j'essaie de faire l'inverse. J'ai essayé d'abord de prendre les pièces avant de faire le vaisseau. Vous ne pouvez pas récupérer les pièces tant que vous n'êtes pas allé d'abord au vaisseau une première fois. Donc vous allez au vaisseau, première pièce ici, deuxième pièce là-bas, etc., etc. Et là on a du coup le vaisseau qui a décollé. Et pour la dernière étape de ce défi, on a tout simplement les gars 25 000 d'XP. Voilà, dès que vous avez fait décoller le vaisseau, vous avez 25 000 d'XP. Donc 15 000 d'XP quand vous récupérez les pièces, 15 000 d'XP de nouveau quand vous les assemblez au vaisseau, donc quand vous mettez les pièces au vaisseau, et 25 000 d'XP quand le vaisseau décolle, ce qui laisse des failles. Donc les failles, je vous rassure, ça sert à rien, c'est pour vous aller en zone après ou quoi, mais les failles ne servent à rien. Donc là, ça vous laisse un coffre bleu qui vous donnera une arme violette ou légendaire, ça sert pas à grand chose. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.